Bon, voilà, toujours fidèle au poste. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop, que vous en avez pas trop marre, que vous prenez votre mal en patience. Dites-vous que c'est pour votre bien et en dehors du virus, bien sûr, c'est pour votre bien. Parce que le virus, à ce que j'en sais, à ce que j'entends, est très contagieux, mais pas aussi grave qu'on voudrait bien nous le faire entendre, enfin, du moins que les journaux voudraient que l'on comprenne, que l'on entende. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas dangereux. Il est juste il aime bien avoir des hôtes. Voilà, il aime bien avoir des hôtes. Alors, il y en a qui le tuent tout de suite. Il y a des autres qui le tuent tout de suite. Alors, je vous rappelle que les autres, c'est quand même nous, hein, c'est nous les êtres humains. Voilà. Donc, il y en a, leur défense les tue. D'autres se développent un peu, mais ils vont pas bien loin. Et ceux qui sont fragiles, forcément, ont plus de problèmes. Ceci dit, c'est pas pour affoler la population, mais le confinement est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Ben, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes et que je vous le dis encore, la Terre avait besoin de ce repos. Elle avait besoin de ça. Tout tourne au ralenti et c'est pour le bien de tous, de la Terre, de tout être vivant, de l'humanité, pour le bien. Maintenant, je vais aborder avec vous des sujets un peu plus importants, mais avant, je veux vous dire que quoi que je vous dise, quoi qu'il en soit, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez tomber le reste. Je n'ai pas la science infuse et tout ce que je peux vous dire ne sont que des informations que j'ai été grainées à droite et à gauche dans des sites qui s'avère plutôt sûr puisqu'il nous envoie les informations tout de suite à l'instant présent, à l'instant T. Voilà, il nous envoie les informations à l'instant T. Alors, ce qui se passe ici en France, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Amérique actuellement, partout dans le monde, et c'est à l'instant T, on vous l'envoie de suite. Donc, je pense que les gens qui vous postent des choses qu'ils voient ou qu'ils entendent, je pense que c'est pas pour faire peur, c'est juste pour information. Donc vous prenez ce qui vous arrange et vous laissez le reste. Hein, je ne suis pas là pour vous dire suivez, suivez, suivez. Non, je suis là juste pour vous donner les informations que j'ai moi-même reçues et qui me parlent. Voilà. Donc on va revenir un petit peu. On va faire un petit voyage dans le temps. Hein, et on va revenir au temps où on nous a décrit l'Apocalypse. Vous vous rappelez? Je sais pas, vous avez entendu parler de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est pas la fin du monde. Hein, les gens qui meurent brûlés, la terre qui explose, rien à voir. Rien à voir avec ça. Quoique, si on s'en tient à l'image, parce que tout est imagé, hein, et pour autant que je sache, beaucoup de religions rapportent l'Apocalypse. Je ne suis pas au fait des religions, puisque je ne m'y intéresse pas, mais j'ai quand même deux, trois petits points de repère à droite et à gauche. Donc l'Apocalypse, en fait, c'est le temps des révélations. Le temps des révélations. Le temps d'un monde qui s'effondre pour voir revivre un autre monde. Telle est la description de l'Apocalypse. Alors, ils disent aussi que l'Apocalypse aurait pu avoir lieu soit par une guerre nucléaire, soit par une pandémie mondiale. Alors revenons-en un peu à ce qu'on vit actuellement. La pandémie. On y est. La Terre qui fait sa révolution, qui se nettoie,
On y est depuis un moment déjà. Les éruptions volcaniques, les tsunamis et tout le reste, on y est. Les révélations maintenant, les vérités qui sortent, on y est aussi. Non? Vous n'avez pas vu toutes les vérités qui sortent en ce moment? Tous ces pédocriminels, pédosatanistes qui sont là et qui se font attraper. Tous ces gens de haute lignée qui, comme par bizarrement, ont tous attrapé le virus. Alors pour ce que j'en sais, hein, et ça vaut ce que ça vaut, hein, et pour ce que j'en sais, certains l'ont, d'autres l'ont pas. Mais on dit quand même qu'ils l'ont attrapé, de façon à ce qu'ils restent eux aussi confinés. Qui ne puisse pas partir. D'où le fait qu'on a fermé toutes les frontières, de façon à ce que ces gens qui nous ont gouvernés depuis des milliers d'années, pas tous les mêmes, hein, parce qu'ils sont morts entre-temps, mais depuis le moment où ça a commencé, ce qui remonte quand même à un certain nombre d'années, de centaines, voire de milliers d'années, tous ces gens-là qui ont fait de nous des esclaves, au final, sont aujourd'hui, c'est à leur tour. Ils vont payer en ce moment, ils vont payer. On est en train de libérer les prisons, vous avez vu? C'est peut-être pour les mettre dedans. Hein. Alors, il y a aussi le fait qu'on parle beaucoup de Trump en ce moment. Certains disent qu'il nous envoie vers le nouvel ordre mondial. Et d'autres le voient comme le sauveur. D'autres disent que la main de Dieu est sur lui et que lui, il est là pour sauver le monde. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça ne me parle pas? Bonne question. Moi, je dirais, et c'est une analyse tout à fait personnelle, hein, vous faites comme vous voulez, c'est une analyse tout à fait personnelle. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu du mal. Parce que cet homme-là a quand même deux facettes. Hein, faut reconnaître, il a deux facettes. Et puis, je me suis renseignée sur lui. Moi, quand... Il y a quelque chose qui me titille, je m'en renseigne. Hein. Je me suis renseignée sur lui. Et bon, j'ai appris, mais ça, tout le monde le sait maintenant, enfin, je pense, qu'il a été élu par ses propres moyens. Il a besoin de personne. Il n'a pas eu besoin de demander au Rockefeller ou tout ça pour produire sa candidature. Il l'a fait tout seul, avec ses propres moyens. Il est complètement indépendant. Il ne marche avec personne. Il est pour le bien de son peuple. Personne ne peut lui dicter ce qu'il doit faire ou pas, parce qu'il ne dépend de personne. Alors, quels sont ses dialogues? Quels sont sa vue? Ses dialogues, c'est... Je veux que l'Amérique redevienne souveraine. Ça vous parle pas? Bon. Je veux qu'elle retrouve son intégrité. Voilà. Alors, pour faire ce qu'il fait aujourd'hui et en ce moment, alors il y a beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup de bateaux qui sont là pour soi-disant soigner la grande épidémie du coronavirus. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Enfin, ce qu'il veut faire croire à l'opposition. Mais je ne veux pas trop en dire parce que je pense que vous êtes assez grand pour aller voir tout ce qu'il en est. Là, sur une des vidéos en dessous, je vous ai mis le lien, le site de chez QAnon. Vous aurez beaucoup de vérité dedans. Il y a une belle énergie qui se dégage de ce groupe. Sérieusement, je pense. Après, on a beaucoup de trolls et j'ai envoyé moi
Personnellement, j'ai envoyé un message aux admins, aux administrateurs, voilà, pour enlever, ou que moi, personnellement, quand j'en verrai, je les supprimerai. C'est ce que je fais. Quand je vois des gens qui sont là, qui postent des trucs, qui n'ont ni... qui, ça n'a pas été des recherches qui ont été faites sérieusement. C'est des choses qu'ils postent juste pour faire baisser l'énergie de ce groupe. Je trouve ça très, très dommage. Enfin, dommage, oui, parce qu'en fin de compte, ils ne font que reculer l'échéance qui doit avoir lieu. Donc, il semblerait que tout se passe d'ici, d'ici Pâques. C'est dans pas longtemps, Pâques. Hein? Tout se passe d'ici Pâques ou pendant ces temps-là. Alors, vous prenez comme vous voulez, mais il se peut, ou pas. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo sur ma page, ceux qui sont intéressés peuvent y aller. Je vais l'enregistrer sur ma playlist aussi, parce que c'est important. Il se peut ou pas que vous ayez des coupures de courant. Bon, ça ne durera pas longtemps, mais des coupures intempestives. Il se peut ou pas que vous ayez des coupures d'internet. Ça, c'est déjà plus probable. Parce que dans le site, il y a déjà des gens qui ont eu des coupures d'internet. Et ça se passe en Amérique. Beaucoup ont eu des coupures d'internet et en ce moment, ils sont sans internet. Alors, ça va être très compliqué pour les gens qui sont accros à internet. Ça va être très compliqué pour ceux qui sont accros à tout ça. Donc moi, je vous conseille de mettre le plus de choses possible sur vos clés USB, hein, et de pouvoir, enfin, je veux dire, des films, des séries, des documentaires, parce que moi, je regarde beaucoup de documentaires. On ne regarde plus les chaînes qui nous annoncent des conneries. Non, c'est fini. On regarde beaucoup de documentaires, des documentaires très intéressants sur les animaux, sur, sur la nature. Ushuaïa Nature, j'adore. La chaîne de Wild, je sais plus quoi aussi, j'aime bien. Qu'est-ce que je regarde encore? Enfin bon, tout ce qui a un rapport avec, je vous dis, la nature, les animaux, les populations, la vie dans le monde en général, comment elle est belle. Et comment on pourrait faire en sorte qu'elle redevienne aussi belle si tout le monde s'y met. Ça, c'est un avis personnel. Alors, ce qui va être difficile, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce qui va être difficile, c'est pour ceux, ce qu'on appelle les geeks, hein, ou les gens qui sont accros à Internet. Ouais. Bon, ça ne va pas durer longtemps, hein, ça va durer que... Si ça a lieu, ça ne durera que quelques jours. Ouais. Ah, vous aurez des informations aussi. Alors, si l'un est vrai, l'autre devrait l'être aussi. C'est-à-dire que vous aurez des informations en temps réel sur les arrestations qui auront lieu par l'armée qui est là, soi-disant, pour le virus. De plus en plus de gens, et ça, j'invente rien, hein, et ce n'est pas les groupes qui l'inventent non plus, c'est les gens qui le disent. De plus en plus de gens voient l'armée se déployer un peu partout dans les grandes villes. Ouais. Est-ce que vous croyez que l'armée va dire stop au virus? Hey, je suis là, je suis l'armée, tu passes pas. Il y a sûrement autre chose derrière. Ça veut nous emmener à un nouvel ordre mondial? Certains y pensent, certains le croient. Personnellement, je ne vois pas ça comme ça. Personnellement, je pense que si l'armée se déploie, l'armée américaine se déploie un peu partout, en accord avec l'armée de chaque pays, c'est parce que ils savent, ils sont au courant. Et ils sont là pour faire quelque chose que nous n'aurions pas pu faire
que nous ne pouvons pas faire puisque nous sommes en confinement et qu'il est hors de question que l'on sorte pour faire des rassemblements de plus de 100 personnes. Et les 100 personnes doivent avoir 1 mètre d'écart entre eux, hein. Donc c'est relativement difficile quand on veut descendre dans la rue pour contester. Difficile. Je pense que l'armée, elle prend la relève. À un moment donné, il fallait que ça change. Hein. Il y a des choses qui m'ont interpellée. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi j'ai vu notre petit monarque qui était très mal à l'aise, très 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 mal à l'aise depuis un certain temps. Ouais, depuis quelques interventions télévisées, il est très mal à l'aise. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas là pour spéculer. Hein. Je suis là juste pour me poser des questions, comme d'habitude, hein, et savoir si vous vous posez les mêmes. Donc, pourquoi est-ce qu'il est si mal à l'aise alors qu'avant il était tellement impérieux et sûr de sa personne et que maintenant c'est plus tellement le cas. Ah oui, j'ai vu aussi que il avait signé un accord avec l'Amérique. Ouais. Pour se protéger. En pensant que l'Amérique est de son côté, forcément. Ben, je crois que l'Amérique lui a donné le choix, hein. C'est soit tu coopères, soit tu attrapes le virus. Bon. Il a décidé de coopérer un certain temps, mais il finira par l'attraper, le virus, hein, parce que, en fait, ceux qui sont, comment dirais-je, contaminés, beaucoup, des hauts, là-haut, qui sont contaminés, en fait, c'est pas, ils sont contaminés, oui, ils sont contaminés, vous savez par quoi? Par un bracelet électronique qui les suit un peu partout. Partout, d'ailleurs. Qui les empêche de prendre la tangente. Et qui sont encore là. On leur dit quoi dire, on leur dit quoi faire, et qui sont encore là pour aider finalement à ce que ceux qui sont encore accrochés au système, il y en a beaucoup encore, pour que ça se passe le mieux possible pour eux et pour que ils ne deviennent pas fous. Ou qu'ils ne fassent pas de bêtises quand tout cela va arriver. Voilà. Le pape est confiné chez lui. Avec toutes les pandémies qu'il y a eu, tout le temps, partout, parce que la Terre a quand même connu pas mal de pandémies, hein, le pape n'a jamais, quel que soit le pape, ils n'ont jamais été atteints de ces pandémies. Et là, celui-là, oui. C'est ballot. Hein. En plus, quand il marche, il a un peu de mal à marcher. Pourquoi? Oh, il est âgé, c'est vrai, mais bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre qui se cache derrière le fait qu'il ait du mal à marcher? À voir. Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses que vous devriez, auxquelles vous devriez prêter attention, sans forcément vous attacher, sans forcément y croire. Hein. Et je ne vous demande pas de croire ce que je vous dis. Je vous demande d'aller chercher, comme je fais d'habitude, aller chercher. Je ne poste aucun lien en dessous, parce que les liens, si vous voulez, je vous les ai déjà postés sur d'autres vidéos. Donc je ne vous posterai pas de lien. Vous ferez vos choix en votre âme et conscience. Vous irez voir ce qui vous intéresse ou pas, ce qui vous parle ou pas. Vous retenez ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas, ce qui fait vibration avec votre cœur ou pas. Donc, moi, je vous dis que nous vivons. Ah oui, ça vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. Nous vivons une période assez étrange, assez spécial. Maintenant, c'est à chacun de faire le choix. Est-ce que vous souhaitez que la main de Dieu s'abatte sur terre et qu'elle fasse le grand nettoyage, chose que je pense qu'il est en train de se faire en ce moment? Ou est-ce que vous croyez que le fait de rester encore accroché à vos anciennes croyances et à ce système peut être valorisant pour vous. Je
Les réserves, oui, faites-les, hein, parce que ne serait-ce que pour le confinement, faites-les. Enfin, moi, j'ai des réserves pour une semaine, je pense que ça devrait aller. Par contre, je ne sais pas si vous aurez cette vidéo vraiment complète, parce que depuis tout à l'heure, je vois connexion, déconnexion. Donc, je ne sais pas si vous aurez cette vidéo, vous aurez peut-être des coupures ou pas, je ne sais pas. À l'instant là, t'es où je vous parle, je ne sais pas. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que ce qui se passe actuellement, selon là où vous vous placez, ça peut être très bon ou pas du tout. Moi, pour ma part, je vois des choses qui me font plaisir parce que elles vont dans la direction que je souhaite depuis longtemps, dans l'espace-temps, si on peut dire, que j'ai envie de voir vivre, que j'ai envie de voir là, maintenant. Maintenant, chacun fait comme il l'entend, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ses recherches et chacun prend ce qui l'intéresse ou pas. Quoi qu'il en soit, si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez soin de vous, quelle que soit votre décision. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Même si le confinement est désagréable, à un moment donné, il va prendre fin, hein, parce qu'on ne va pas nous confiner à vida aeternam. Donc le confinement prendra fin. Et après, voir si ce confinement a servi ou pas, et quelles seront les décisions qu'on va prendre par la suite, de façon à savoir si... De toute façon, ce système, il va tomber, hein, c'est incontestable, il va tomber. Alors, est-ce que vous voulez refaire revivre le même système? Ou est-ce que vous voulez arrêter de nourrir ce système et faire en sorte que une vie meilleure et plus agréable et pleine de bonnes choses voit le jour? Ça dépend de chacun d'entre nous. Et au final, ça dépend de tout le monde, puisque nous sommes qu'un. Nous sommes tous les fils de Dieu, du divin créateur. Donc chacun fait son choix en âme et conscience. En tout cas, je vous souhaite un confinement qui soit le plus agréable possible, qu'il soit profité pour apprendre à voir qui vous êtes, avec qui vous vivez. Apprenez à comprendre vos enfants, apprenez à les connaître aussi. Oui, vous risquez d'avoir des surprises. Et voilà, fait pas très beau, mais c'est pas grave. Moi, j'entends les. En face, il y a une ferme, j'entends les animaux de la ferme. Des oiseaux à droite et à gauche, ça se balade, ça se promène. Il y a les tourterelles. J'ai même entendu un pivert l'autre fois, ouais. J'ai même entendu un pivert, c'est drôle. Voilà. Donc, bah ici, pour l'instant, rien à signaler. J'ai enlevé mes lunettes parce que l'espace d'un moment, j'ai cru que c'était une voiture militaire, mais non, ça n'a rien à voir. Non. Non. Faut dire qu'ici, là où on est, il n'y a pas grand monde à... Il n'y a pas grand monde à enfermer. Hein. On n'est pas dans une grande ville, on n'est pas dans un endroit stratégique. Il n'y a pas grand monde à enfermer. Par contre, c'est vrai que, bon, là, le temps, il est couvert, on ne voit pas trop, mais c'est vrai que les chanterelles, il n'y en a pas. Des avions, bah, il y en a de moins en moins. Le ciel est calme. À part les oiseaux, il n'y a rien d'autre. Vous entendez? Voilà ce que je veux faire vivre. Voilà ce que je veux pour mes enfants, voilà ce que je veux
mon futur, hein, avant d'aller rejoindre mes frères et sœurs là-haut. Tant que je suis ici sur Terre, voilà ce que je veux faire vivre. La beauté de l'instant présent, les animaux qui chantent, les sangliers qu'on voit. Mon mari, il a même trouvé leur nid, dis donc, leur cabane. Vous avez une cabane. Bon, il a un peu saccagé parce qu'il a un peu fait tomber les bambous, donc il a un peu saccagé. Bon, c'est pas qu'il aime pas la nature hein, pour les bambous, mais c'est qu'ils étaient secs et que des gens malveillants auraient pu y mettre le feu. Donc, coupé. Voilà. À une distance correcte. Bah voilà. C'est. Entendez? C'est beau. Les coqs, les animaux, les. Hé! Oh. La tourterelle! Elle cause! Ouais. Des fois, elles viennent là. Ouais, parce que. Elles ont leur point de chute ici, donc elles viennent. En fait, ici c'est le point de chute de pas mal d'animaux en finale. J'en suis super contente. Et c'est le point de chute de pas mal d'animaux et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Je suppose que vous avez d'autres choses à faire que de m'écouter. Donc, je vous souhaite le meilleur à tous. Que la paix soit sur le monde. Que l'amour arrive. Dans vos cœurs, partout, sur la terre, sur tous les êtres vivants, ici ou ailleurs, et qu'on puisse enfin vivre libre comme nous aurions dû l'être depuis des milliers d'années. Allez, soyez en paix. Bye.